Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer à nouveau et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit « Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le maître répondit « La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua. « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es. Et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. »